Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on peut faire comme carte éventuellement avec le lot de cartes souvenirs et compagnie, merveille de la saison qui se trouve, page 31, donc du mini catalogue août-décembre. J'ai fait de toutes petites cartes qu'on peut aussi peut-être aussi modifier, les faire en étiquette. J'ai fait aussi les enveloppes qui vont avec, mais ça je vous le montrerai pas. Voyez ce qu'on peut faire avec les mini cartes qui sont destinées au Project Life. J'ai fait aussi des cartes un peu plus grandes. Des étiquettes avec. Alors je vous montrerai donc le montage de la carte hein, et pas tout ce qui est tamponnage et pour faire les nœuds. Et bah on y va.
j'ai fait avec vous ces petites cartes avec comme modèle de base les cartes venant du lot cartes souvenirs et compagnie, merveille de la saison. On peut faire beaucoup beaucoup de choses avec, moi je trouve. J'ai aussi utilisé pas mal de sentiments qui viennent de Noël tout mini. Ça vaut vraiment le coup de l'avoir ce set là de tampons. Et pour chaque support, ce que je ne vous ai pas dit au tout début, donc vous pouvez faire en fait trois supports dans une feuille A4 en la coupant à 8 cm. Vous aurez donc la largeur, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais je ne vous l'ai pas dit en fait. Et là vous avez votre support de carte. Vous voyez, ça va tout à fait ici. Et voilà. Au niveau des dimensions, si j'ai oublié des choses, je vous le mettrai soit sur mon blog, soit sur la barre d'infos. Si ce n'est que, en fait, les petites cartes en pouces font 3 par 4. La prochaine vidéo ce sera avec les cartes un peu plus grandes et on fait aussi de très très jolies choses. Allez, à tout à l'heure.